Ok, Méné, il fait beau, il fait chaud et c'est aujourd'hui que la collab Supreme TNF sort. Swag. Pour tous ceux qui ne savent pas comment acheter du Supreme, on vient de faire une vidéo. Cliquez dans la zone et aujourd'hui on s'occupe des interviews du street style. On est là, Méné, Sissi, bang bang, swag. Shells for a living in, baby, gon' smell blood trail. Every minute, rogue wave, and you niggas no fair. When I hit him, every time I see it big, I don't hesitate to kill him. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas or a tool, I'm a cool, or my youngest no boo. When I'm spraying this K, and you fuckers fuck a gang affiliated with nothing but my name. Man, I don't give a fuck about a motherfucking bow. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking bow. Man, I don't give a fuck about a motherfucking bow. Alors aujourd'hui collab Supreme TNF, c'est quoi ta collab Supreme TNF préférée? Enfin, elle est ici là, je l'ai vue, c'est la jaquette avec le monde. Ok. Celle-là elle est lourde. Ah moi je sens bien que ça va être celle-là gros, moi je viens de Marseille juste pour celle-là. Ouais. Ouais ouais ouais, ouais ça va être lourd. Pour la fleece, la jaquette, on est venu tout rafler aujourd'hui. Léopard. La... Ok, jaquette 2010. Ouais, ouais, elle était vénère celle-là. Je crois que c'est la 2008 hein. Ouais. La polaire de 2008 elle est patate. La Steep Tech là. Ouais. Elle était pas mal celle-là. Lourd. J'aime bien la bandana. Ouais. Il y a la Bayani Mins de 2015. J'ai bien aimé celle de la parka orange ouais. De l'année dernière j'ai vraiment lourd. Kiffé. Ouais. T'es plus doudou donc pas en parka. Vraiment, parka, ouais, vraiment parka, la parka, c'est bien serré comme ça là. Moi c'est les step-tep, honnêtement j'ai bien kiffé, surtout les suites et le t-shirt. Ouais. Après j'avoue que la parka elle m'a pas trop ambiancé parce qu'il y a trop de zip partout. Mais celle-là elle est cool, surtout je kiffe la bague elle est vraiment d'art. Mon préféré celle de 2010, la parka léopard. Ah c'était refait moi aussi. Ouais. Mais ce que je préfère c'est la step tête 2016, elle était vraiment lourde celle-là. Celle-là, la SS16 aussi je m'ai kiffé. Après il y a certains items qui sont d'art comme ouais. Celle avec la map où il y a écrit Supreme et t'as tous les drapeaux derrière, celle-là elle est vraiment douce. Après les autres, les anciennes j'aime pas trop. Pas toi qui veux ? Non. Et La session 2013 j'avais bien aimé la doudoune. C'était lesquelles dessus parce que c'était avec la fausse fourrure. Bah, Limins parce que c'est du classique en termes de visu propre. J'aime bien la expédition de jaquette. Ouais. Celle-là avec la map dessus là. Elle est stylée de fond. Celle-là est cool. Je pense que l'un des trucs que j'ai préféré c'était les polaires qui étaient sortis je crois en 2008. Ouais. Il y avait une polaire beige bleu. Ok. Et je pense que ouais, c'était une des pièces que je trouvais les plus sympas. Depuis 2007, il y a toujours une collab TNF Supreme dans les collègues. Est-ce que c'est pas un peu trop facile? Bah. Ça marche. Je vois pas pourquoi arrêter. Ouais. Des fois, ouais, je tombe dans la simplicité, mais celle-là, je la trouve lourde. Lourde, ouais. Des fois, c'est vrai que c'est simple. Toujours de la nube jaquette, mais là, ils ont changé un peu. Ça ouais. Fait plaisir. Je trouve qu'il y en a un peu beaucoup, tu vois. Ouais. Mais après, elles sont lourdes à chaque fois. Hein, ouais, je trouve. Là, celle-là, je la trouve un peu moins bien, perso. Non, ça ouvre les portes à beaucoup de personnes, du coup. Ouais. C'est plus abordable, il y a plus de personnes qui ont la possibilité de l'avoir, donc c'est bien qu'il y en ait tous les ans. Ah, c'est pas mal, les tarots ils sont pas mal ici. Ouais. Non, parce que toutes les personnes sont au rendez-vous tout le temps, donc ça va. C'est comme pas mal de collabs que Supreme fait, ouais. Ils savent que les gens vont acheter, donc j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Quoi. Ouais, okay. Et là, surtout sur cette collab, je sais pas, après je dis ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas fait d'efforts. Maintenant, ça fait partie de Supreme. On sait qu'ils sortent toutes les années, ils sortent des collabs. Des collabs, ouais. Bah ouais, mais en soi, il y a pas beaucoup de quantité, on sait pas ce qu'il y aura. Ouais. Et plein de fois, il y a eu des trucs, c'était décevant. Ouais. Ouais. C'est ça le truc. En vrai, ouais, ça vaut le coup. Et même, il y a toujours un B à faire. Non, je pense que ça devient un classique, comme un ouais. Classico, tu vois. Genre, c'est une collab qu'on attend, ouais, c'est un rendez-vous, on regarde le monde d'aujourd'hui. Non, je pense, ouais, honnêtement, c'est une collab qui va s'attendre de plus en plus chaque année. C'est un classique. La collab est un classique. Maintenant, il faut trouver un autre classique. Faut surprendre. Il est temps de changer, il faut surprendre. Il faut surprendre. Il faut choquer le monde. Après, c'est vrai que la speech tech de l'année dernière, elle était pas mal, tu vois. Genre, la toute noire, il y avait des poches partout. C'était intéressant, c'était une belle pièce. Maintenant, là, aujourd'hui, quand tu vois les tarifs, bon. Tu te dis que où ils essayent de casser le recel et comment ils essayent de mettre des prix vraiment hauts, ou voilà, la 300 balles une polaire, ça commence à faire beaucoup. C'est toujours moins cher que celle de 2008, mais ça reste beaucoup. Mais après, t'as des pièces des fois. Tu te dis putain, pourquoi je l'ai pas cop celle-là, pourquoi t'es pas venu. Mais TNFX Supreme, c'est vraiment du lourd. Honnêtement, j'aime bien quand il y a chaque année, parce que t'es sûr que t'as un petit TNF, tu vois, et tu te dis ouais, voilà, t'as vu mon TNF que j'ai eu en 2009, celui en 2017. C'est devenu un peu symbolique, tu vois. Ouais. Genre, je pense que tous les ans, c'est bien qu'il y ait
une collab. Ça fait, c'est un grand événement. Il y a du monde et tout. Tout le monde kiffe. L'année dernière, ça a été étrange parce qu'en fait, ils ont sorti deux collaborations. Il y a eu la Speech Tech avec les jackets et le sweat. Ouais. Et après, il y a eu le sweat avec le crew neck. Non, le crew neck et le t-shirt. Là, au final, la hype, elle a pas suivi. Ouais. Les prix sont retombés totalement. C'est pas des items recherchés, tu vois. Okay. Donc, est-ce que c'est facile? Je sais pas trop. Ça reste la grosse collab et le truc qui la valeur sûre de commande de chez Supreme. C'est la bonne collab, mais après, voilà, ça continue au niveau des prix, tu vois, genre ça continue à suivre et ça continuera encore pendant jusqu'à ce que Supreme s'essouffle et disparaisse, quoi. Mais c'est pas prêt d'arriver, je pense. On me, but you can never do nothing cause your mama raised a pussy. Every time I walk through the drop top, can't help but call my eyes cause my wrist so glossy. Goddamn bitch, I don't smoke no gas, I don't pop no zest. Hella cake, I just need that ass, don't worry about no mess. Look at me, look at he, you don't wanna fuck with we. Hit the streets. Ok, mais alors Camino était là pour la énième collabo entre Supreme et TNF. Vous avez été chaud, freestyle, interview. On se donne rendez-vous jeudi prochain, mais né. Et pour ceux qui savent pas comment on achète du Supreme, on a sorti une petite vidéo avec un petit générique, mais né, allez checker ça. C'était Camino Boss, Sean Zer. Ouais, moi c'est automne-hiver, hein, la sélection automne-hiver. La petite... jacket est dernière. Ouais, voilà. La orange, c'est avec les feuilles. La orange, c'est avec les feuilles. Ouais, ah, c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est une valeur sûre, moi, je pense. Ouais, la qualité, c'est... elle est là à chaque fois. Ouais, la qualité, elle est là à chaque fois.